Yo te fè tout nou travay de rassemble le sektor organize de la sosyete sivil e fètèt ke tèd ap gen pou prezize sa nou rele pa sosyete sivil la parce ke tro souvan gon amalgam ki fèt ak sa e tèd ap gen pou fè sa. Donc, e kas nan debat antre yo, yo wè fò yo fon ba ekipi la jankon yo fè yon forum an janvye ki yo kote yo invite lot moun ki pa mam kas. Par exemple, CNUH ke nou pa dirije, te invite nan forum janvye sa, kote, yo te nou te fè yon jounen travay, e te gen de rekomandasyon ke forum sa te fè, e kas li menm, pou te kap fè suivi rekomandasyon forum janvye sa, li te monte yon komite de suivi de rezolusyon du forum. E komite suivi sa, se li ki engaje l nan monte komisyon, ou komisyon pou rechache yon solusyon ayisyen a kriz sa. Komite rele komite de suivi? Komite de suivi du forum de janvye. Donk, komite suivi sa ki sa fè, li mande de organizasyon ki pa obligatoirement mam kas pou voye de reprezentan yo an dan komisyon suivi. Donk se konsa, nan chèche chèche, donk nan ekri, li ekri sektèr syndikal la ki yon pa ki laj depase yon kompon men li mande Kochanko se kolektif de syndika pou respect konstitisyon ki delege mwen men pou reprezente yon nan komisyon la e la platform des organizasyon de droits humains voye Maximoni la fédération protestante voye yon nan vice-président liski pasteur Jacques Omer Duré e organizasyon feminist yo voye Sabine Maninga, kolektif artist engaje Katan voye Magali Komodeni. En fait, nou bien monté, nou bien structuré. Men, fòm tou di tou genyen 3 personnalité an dan komisyon ki ap chwazi par de sektèr, men se komite suivi ya, ki te chwazi li pou nou kap gen ou reflè, pou nou kap, nou kap di reprezentè sosyete ya nan tout egalite. Donc la se te pou kote nou soti ya? Se kote nou soti. Men mèk nan pou manda, jan te gen nan kouri bozo kestyon avan bozo li, ki manda, an defini manda pou auditeur et telespektateur yo? Manda se exactement jwen parmi tout protagoniste, tout acteur de pays, joigne un minimum qui dit que nous sommes d'accord sur ce qui j'aimerais sortir dans ça, sortir de la crise. Donc, minimum ça, c'est qui s'allie, c'est qui ça qui t'a fait que moi-même ou même par exemple, d'accord que lunettes qui devant là, nous va le déplacer ensemble. Nous va le résoudre le problème ça. Donc, en dehors de tout intérêt qu'on a gagné, qui parle en lunettes là, que tout intérêt même n'est pas gagné en lunettes là, mais nous d'accord sur le principe que nous avons fait ça ensemble. Donc, son moment que nous cherchons dans la société, dans le pays, un moment d'unité, et c'est fondamentalement démarche, c'est joindre une parole nationale, une parole unitaire, qui permet que nous résoudre la crise que nous avons là. Donc, c'est mandat, nous c'est joindre une solution en dans le pays, à la crise que nous avons vu là. Nous avons mon son déjà, mon son solution déjà. Nous avons privé là. Parce qu'il faut expliquer aux démarches, ça tout. On voit que ça fait, parce que pendant que Magali a parlé, il faut nous expliquer qu'en dehors de ça, moun enumere yo la, gen par exemple, communauté vaudou ki ou bezante an da komisyon an, nou gen dout sektèr ki ou bezante an komisyon an, e personalité ke nye yo, nou gen 3 personalité ki la dan, bon, detay yo, nou kap avanse sou yo, men sepandan, demarche nou, ou fwa ke sa fin fèt, nou konstituye, e nou konstituye depuy avril, nou reuni, e nou ap diskute antre nou pou nou vwen nye ki konekte yo nou nak lot ki fè nou kompren sou problem peyi ya sou mèm perspektiv ke nou kapap kompren nye degaje perspektiv sa nou kompren sa. Lè nou fin fè sa, dezyem bagay demarche ke nou fè, se al jwen wotounen an baz ki te dezyen chak moun yo. Monsen nou gen 10 sektor organize kan de komisyon, plus 3 moun yo, nou son komisyon de 13 moun. Donk 10 sektor sa yo ki organize ke se sou an nivou de sektor syndikal, se komunote
vaudou, et communauté des artistes, et les femmes, et tout ça, le mouvement féministe et compagnie, le film prend toute la plateforme de droits humains, nous, à le rencontrer, parce que nous pensons qu'en dehors de l'autre, désigner nous, il faut nous dire qui ça nous comprend de la crise, et comment eux-mêmes est-ce qu'ils adhéraient à ça. Donc, son démarche de légitimité interne de ça faire par rapport à ça que vous avez fait. Donc, une fois que nous finissons adhérer, nous finissons d'accord sur ça, nous faisons une deuxième démarche de rencontrer tous les secteurs de la vie politique. Pas bien un secteur de la vie politique important qui, au moins, sous scène, qui agit, qui parle, qui fait ensemble d'activités que nous n'avons pas rencontrées, quel que soit. Et à partir de ce moment. Alors là, qui est Kourimano, est-ce que vous sentiez un intérêt commun dans le compte ça? Est-ce que vous sentiez que Haïti est véritablement et effectivement au centre des préoccupations des acteurs rencontrés? Très bien. Et premièrement, on dit que le pays a un impasse. L'on impasse politique, on impasse social et dans l'illégalité. Nous en situation, de, nous pas la constitution encore, nous pas gagné de légal que nous avons pour nous mettre devant nous comme un bagage qui est important, que nous vivons là-dedans, nous fonctionnons là-dedans. Et greffé sur tout ça, un problème de sécurité fondamentale. Et dans la situation, ça, pas qu'un haïtien censé, quel que soit côté lié, qui ne peut pas poser des questions, est-ce que. Pays, ça c'est comme ça le doit, c'est comme ça le doit aller. Donc, l'on ça comme préoccupation, toute rencontre qu'on fait, nous mieux, effectivement, parce que nous-mêmes, tous, nous porteurs de messages, là, que nous-mêmes, nous porteurs de messages, que ça qui intéresse nous, c'est sortir pays en salier. Donc, l'un porteur de ça, nous pas réduit situation de salier, à on va réduire les conflits en protagoniste. Pour conflit entre le pouvoir établi et l'opposition, nous pas réduit là ça, il y a un aspect de lui-même qui la donne, mais nous-mêmes, dans le plus loin, nous expliquer que le problème, non, en dehors de ça, qui est un problème ponctuel pour résoudre, mais il y a des problèmes fondamentaux qu'il a, et fondamental la donne. Et en même temps, nous-mêmes nous dit que, je vais ajouter à ça, Magali tout à l'heure, en dehors de citoyens, nous c'est moun. Comme moun, nous avons un bagage qui est fondamental là, nous c'est que nous libres. Et ce nous libre, c'est que nous développer autonomie, nous développer, c'est-à-dire les souverainetés. Pays a une souveraineté, le peuple haïtien son peuple souverain lié. Libre, souverain, mais cependant, les élites de ce pays jusqu'à aujourd'hui, pas conscients que pays a, que peuple a souverain. Ils ont même pensé que vos relations privilégiées avec l'extérieur, et à partir de cette relation privilégiée avec l'extérieur, là, ils ont pensé qu'ils ont déposé en deux pays et imposé et cassé. 52 pays de souveraineté. Donc nous-mêmes, sans démarche d'explication, nous faisons comprendre que le peuple est souverain. Et toute démarche, c'est affirmation de souveraineté. Nous avons un exemple très simple. On a des difficultés qui ont fait nous dans le pays. On a des récents, nous prenons un cognac parce que c'est d'actualité. Oui, surtout que vous êtes économiste. Haïti a voyé transfert régulièrement dans le pays. Bah, il proche ici. Il parlait de 4 milliards de dollars, il parlait de 3 milliards. Il y a des chiffres pour ça. Mais nous avons réalisé qu'on a 1,50 $ que vous prenez sur vous. Que vous n'avez pas fait. Vous réalisez taux de change, vous venez appliquer qu'on y a, que comme vous avez un goût, la correspondance, vous dépensez après un goût, un dollar, vous avez une difficulté. Mais nous avons développé un bagage qui fait que vous recevez un transfert en République Dominicaine. Nous avons chaque temps une difficulté par rapport à la présence de l'État, par rapport à la forme d'organisation, l'État veut imposer, vous jouez une déroute pour vous-même, vous restez dans leur autonomie, dans leur souveraineté, dans leur survie. Par rapport à l'imposition de l'État. Donc, nous avons rencontré Mouni, on explique que le peuple haïtien souverain et l'élite pays n'a pas compris que le peuple est souverain. Ou bien, démarche, c'est une démarche en lait qui a un rapport avec l'étranger essentiellement et toute solution, problème que le gain, c'est chercher deux yeux pour trouver une solution. Et Koudia, lui-même, le peuple haïtien, il n'a pas demandé chercher deux yeux pour trouver une solution. Et tout moment historique pays, depuis 1804, c'est que c'est dans le pays que solution. À problème, c'est là toujours joignant, c'est là toujours fait des manches pour joignant. Donc, nous avons expliqué ça, nous avons compris ça. Et nous jouons quasiment, si je ne me trompe pas, Magali, nous jouons quasiment en adhésion à cette question que Haïti est capable d'avoir une solution pour être là. Très bien. Maintenant, on dirait que nous attendons de nous parler de dialogue pour une solution. Ça. Qui place le dialogue dans la démarche nous? Bon, le dialogue là, il y a une place importante, mais dialogue, c'est dialogue pays. Pas dialogue de sous, non? Non, justement, c'est ça que fait, et la commission a quand même travaillé depuis 4 mois. C'est que nous avons 4 mois, nous avons travaillé d'araignée, nous avons dit. C'est le dialogue qui pour nous, qui est plus important, c'est fait
dialogue entre nous. Ouais, premier bagage nous fait dans la commission, c'est faire entre membres de commission. Vous comprenez? Nous travaillons entre nous pour nous garder est-ce qu'il y a même lecture, même compréhension, est-ce qu'il y a le même côté. L'on fin définit mission, nous garder mandat, nous garder limite, nous connaissons qui côté nous arriver. Même de faire l'inverse. Non, mais justement. De faire l'inverse. Non, non, non. Non, entre nous, l'on fin d'accord entre nous, nous retournons côté nous qui te voyons, nous pour nous dire, mais lecture nous fait. C'est le dialogue là toujours. Yo bagage nous dit bon, pour nous porter ça, il faut que tu derrière nous. Non, alors excusez-moi. Alors, l'homme dit ça, moi je l'ai dit. Que si nous déjà entendons avec vous, pas un dialogue possible, faut-il bien que nous pas entendre. Nous faut qu'il y ait un désaccord. Et c'est à partir du désaccord là, nous allons derrière le chemin de temps. Une commission de 13 membres qui sont dans l'économiste, passer dans le pasteur, passer dans le représentant de l'église épiscopale, arriver dans la communauté vaudou, et imaginons, et qui dit, je ne sais pas qu'il y a une divergence, donc qui. Oui! J'en veux que tu aies une divergence entre ça pour nous arriver à joindre ça. C'est la première étape dans le dialogue là, et qui est très important. Deuxième étape, yo, et syndicat, vous voyez, mais et en tant que je joindre l'homme dit mandat que je défini ensemble avec les collègues dans la commission, ça n'a pas obligé de dire d'accord avec lui. Donc, il faut retourner à dialoguer avec pour expliquer lui, pour aider nous porter. Parce que ce n'est pas un travail que nous avons fait pour nous. Le monde qui voyait nous d'accord sur ça, nous allons joindre l'autre secteur qui pas de voyer et nous allons joindre et politique. L'un des politiques, deux familles là, voilà, ça PHTK. Donc, nous rencontrons tout pôle politique. Ou qu'on est rien là, ni le monde qui pas revendiquer que on a aucun pôle politique nous fait dialogue là. Et n'a continué toujours, n'a continué avec toutes les catégories socio-professionnelles qui identifié pour nous faire pour faire dialogue ça entre nous. J'entends ce dialogue là trop souvent et là on traîne nous tout. Yo mené problème nous gen là un problème entre le pouvoir et ses alliés et l'opposition. Mais non, pour problème insécurité à la, pour comprendre, pas besoin d'une opposition ou bien pas besoin d'un pouvoir pour nous un problème insécurité qui besoin résoudre. Pas besoin d'une opposition ou bien d'un pouvoir pour moi un problème alimentation en nous qui pas fait en dans quartier ou bien dans pays. Et problème santé, problème éducation. Donc, c'est des bagages fondamentales. Et le meilleur monde qui peut porter, c'est la société civile organisée. Société civile organisée, en dans dialogue, ça, qui s'est dégagé, nous, société civile, là, désormais, dit, il n'y a pas de chita comme observateur, sous prétexte de deux protagonistes qui engage un bras de fer et puis comme si lui-même n'est pas un mot pour le dire, n'a pas chita comme médecin, comme enseignant, comme travailleur, comme ouvrier dans la factory, comme paysan et puis n'a pas chita pour n'aguer destin 11 millions de monde. Non, nous décidons, société civile a décidé engager pas comme observateur mais comme acteur, c'est ça que fait. Nous disons solution haïtienne impossible parce que nous avons une société civile organisée, engagée. C'est pour me faire dire ça. Qui n'a pas décidé de rester comme observateur, mais comme acteur. Nous cherchons une solution, mais un acteur, comme acteur tout cas défini, qui ça nous voulait comme pays, comment on a avancé, et quel que soit politique. Là, parce que nous-mêmes, nous allons, je te dis ça, nous allons au-delà de ça, et qu'après régler la conjoncturelle, nous allons au-delà de ça. Nous allons parler de pays, de qui ce pays a défini, et nous avons une société civile qui décide là. Mais ça, là, tout c'est que le pays a tellement pas étant et la donne encore, on va demander qui ça casse aujourd'hui, parce que la crise n'est pas politique seulement aujourd'hui, la crise dans l'économie, la crise dans le social, la crise dans le sanitaire, la crise dans le sécuritaire et autres. Parce que pas la vie encore en Haïti. Si nous prenons un petit exemple, on sait de monde
week-end dernier qui a passé fui insécurité martissant, il y a bon petit avion pour aller Jacques Mel, avion tombé avec eux. Tout le monde mourit. Très bien. Et même quand il y a courrier pour nous, vous me dites que le pays a fini. Et c'est dans ça quoi. Bon, il va finir parce que là toujours. Il y a 11 700 000 monde, 12 millions de monde qui vivent et qui chaque jour a créé moyen pour vivre. Et ça faut le respecter. C'est-à-dire que quelle que soit la condition, même le monde qui est là, caillou matissant, et qu'on équipe on a zam débarqué, poussé ou quitté le pays, à côté aller, il y a continué à vivre. Il y a essayé chez vous qui est médiété. Et c'est ça qui est fondamental, il faut respecter. Mounio, que vous entrez belle, vous massacrez, vous sortez, vous quittez la dignité. Vous n'avez pas demandé à vous venir porter un rien par vous. Vous n'avez pas senti que vous porter par vous. Mais vous n'avez pas fait demande ça. Donc il y a une notion de dignité, de respect de monde en tant que monde dans le pays. Et vous n'avez pas suspendu la bataille pour vivre. Paysans n'ont pas suspendu de planter pour récolter, pour vendre moyen pour vivre. Donc, grand ensemble de bagailles qui ont fait ça, nous, qui ont fini, qui ne disparaît pas. Avec la différence, avec, excusez-moi, Ted, avec la différence, paysans n'ont pas suspendu de planter, mais ils ne peuvent pas vivre de plantation. Parce que lorsqu'ils font prendre, lorsqu'ils font récolter, il faut être capable d'entrer en côté avec lui. Il faut mettre nos machines, il faut vendre les bananes à Sarah. C'est ça que je vais expliquer là. Et puis maintenant, c'est ça que je vais expliquer là. Bloqué. Mais ça, je vais retourner au pourri. Mais ça, bloqué là, ce n'est pas lui-même qui a fait le travail là. C'est l'organisation l'État, c'est l'organisation société qui a pénalisé, qui a empêché de jouer une possibilité pour épanouir tête lui. Malgré que c'est lui-même qui base richesse pays là. Malgré ces produits tout ça qui permettent que nous-mêmes, nous faisons ça, nous faisons la rue Port-au-Prince, belle machine, belle bagarre. Mais c'est lui-même. C'est taxe que nous mettons sous l'île. C'est gens qui vivent là, c'est sous l'île nous fait prélèvement. C'est nous-mêmes, c'est réalisé, c'est cette société-là qui est en rupture par rapport à pays. C'est lui-même qui a effondré. Et grande réflexion que nous faisons, nous dit que le peuple haïtien peut avancer que l'élite là. C'est paradoxal, mais c'est le cas. Le peuple haïtien, jeudi, peut avancer que le monde qui dit c'est l'élite pays. Et je dis, ce qu'on a fait, c'est pour courir à regarder qui ça peuple a joué comme moyen pour l'exprimer, pour le bataille, pour le réussir, ça le faire. Nous sommes pour un exemple purement économique, l'attitude que nous avons par rapport à un bail qui est de la goutte. Mm-hmm. Mais si nous remontons un peu plus sur la question de bail qui est acte de souveraineté que Haïti a posé, nous apprenons où sont les gens qui ont expérience et observation, journalistes et compagnie, en 1990. Nous toujours prenons un exemple ça. Bon élection fait dans le pays. 75%, 85% de participation, pas changer de droit. 65% président élu. Mais ce jour-là, l'expression politique de ce jour-là, l'expression du vote populaire, c'est l'expression de souveraineté, peuple haïtien. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça passe après? J'ai mon traité résultat. Ça est au favel, côté à là avec lui comme projet politique, mais ce jour-là, c'est un acte souverain. Et acte souverain, ça, c'est justement, c'est lui-même pour nous joindre. Il faut créer un momentum que le pays a exprimé, qu'a exprimé souveraineté. Parce que la notion de monde que nous disons, tout le monde sait le monde dans son pays fondamental dans le pays, le pays de paysan par exemple, qui continue à faire ça, parce que vous croyez dans ça, vous croyez dans ce monde, vous croyez qu'il est plus loin. Mais l'État lui-même met en échappe sur eux, sans empêcher de progresser, empêcher de faire ce qu'il faut faire. Que ce soit sous forme d'insécurité, que ce soit sous forme, par exemple, carte électorale. Nous avons dit qu'il y a une pièce d'identité. Nous avons inscrit comme une pièce d'identité. Mais construction, c'est le côté de la vie de voter. Nous avons la possibilité de ça. Nous avons choisi, nous avons réfléchi nous-mêmes qui calcule pour le faire sur la question comment on va le voter. Alors que nous savons, paysans, même ou bien haïtiens, nous cherchons une identité que nous avons jamais. Nous avons une pièce d'identité. Donc nous avons deux attitudes, nous cherchons une identification. Pour le pays, vous le dites, ça ici, parce que l'État dit qu'il faut le pièces là. Mais nous-mêmes dans l'État, nous sommes dans l'État, pas nous-mêmes, mais nous sommes dans l'État, nous avons réfléchi comment nous allons mener nous dans une situation que c'est un vote qui va exprimer. Donc, fondamentalement, qui s'agit, c'est que nous avons une situation de désarroi de cette élite-là, de cette société étatique, qui a parlé avec un peuple qui, lui-même, résilient, son mot par aimé d'ailleurs, mais quand même utilisé parce qu'il est très, très à la mode, mais le peuple lui-même a organisé pour survivre et pour le bataille. Que c'est obligé à Chili en masse, les problèmes de grave sur lui, que c'est courir au Brésil, les gens ont envahi le vin sur lui, il a empêché les panneaux, il n'a pas côté, il n'a pas sorti, il n'a pas route, il a cherché côté pour le sortir, mais le peuple a toujours à chercher moyen pour le vivre, mais l'État empêche le vivre. Ça me d'après moi qu'on est, d'après moi, vraiment, nous réfléchissons, nous discutons sur les actions concrètes qui sont capables de découler de
le Sénat préconisé à aujourd'hui. Hein. Et, parce que il y a un problème, quitte à ce que nous disons, nous répétons, nous presque pas prendre mon nom. Quitte c'est madame, quitte c'est vous-même, quitte c'est moi-même. Dis-moi, nous avons une insécurité, nous connaissons déjà la Bible. La biche, oui, la Bible tout. Covid, oui, vous connaissez que Covid là, et là. Mauvais temps, vous voyez, si elle n'est pas bon, vous commencez quoi. On retourne après pause pour nous dire aux auditeurs que qui ça doit faire jeudi de manière concrète pour nous sentir effectivement approcher vers une solution haïtienne. Okay. Et puis, si ce n'est pas une solution haïtienne, est-ce qu'il y a une autre bagarre nous? Et c'est l'autre bagarre nous pas souhaité. Suivez mon regard. En tout cas, nous tourner après pour essayer de réfléchir sur ça. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique.